exagère quand même. C'est la troisième fois cette semaine qu'il nous pose un lapin. Ça n'est pas son genre. Et en plus, Charlie adore les crèmes glacées. Tenez, mademoiselle, j'ai été ravie d'avoir pu vous aider. Est-ce que c'est moi ou est-ce que tous les garçons de cette ville ont décidé de devenir des pionniers louveteaux? C'est une nouvelle mode, on dirait. On ne peut pas faire un pas sans tomber sur l'un d'eux. Oh! Charlie, t'es devenu un pionnier louveteau? Pas étonnant que tu nous poses des lapins. Ce n'est pas du tout comme je l'imaginais. C'est dur d'être un pionnier. Tu parles des travaux d'utilité publique? Tu plaisantes. Eux, c'est de la tarte comparé aux exercices d'entraînement pour la Coupe des champions de demain. Je vois plein de nœuds dans mes céréales. Tu as l'air d'être épuisé. Je n'ai pas beaucoup le temps de dormir. Et quand enfin je peux le faire, je rêve en permanence des pionniers louveteaux. Si tu détestes tellement ça, pourquoi tu ne laisses pas tomber? Parce qu'un pionnier louveteau n'abandonne jamais. Non, chef! Jamais, chef! Ces émetteurs sont une idée à moi. Ils m'aident à garder la trace de mes troupes et me protègent de fouinards tels que vous, qui créent la discorde dans les rangs. Vous ne pouvez pas obliger mon ami à faire ce qu'il ne veut pas faire. Qui parle d'obliger? J'ai trouvé le moyen idéal d'enseigner la discipline. Il n'y a ni objection ni récrimination. Ils font tout ce que je leur ordonne de faire, pas de problème. Regardez. Gratis! Un pionnier louveteau n'abandonne jamais sa mission, chef. Nul besoin de dormir, chef. L'épuisement leur a fait perdre la tête. Non, des commissions! Charlie! Trop tard. C'est nous qui sommes ses amis, maintenant. Ces pionniers louveteaux n'ont pas un comportement normal. Leur chef manigance quelque chose de louche et Mona le vampire a l'intention de découvrir ce que c'est.